is our God. Grand est notre Dieu. Mighty, wonderful, awesome is his name. Puissant, redoutable est son nom. He can do what man cannot do. Il peut faire ce qu'aucun homme ne peut faire. I rejoice with you this morning. Je me réjouis avec vous ce matin. Because of your testimony and my testimony. À cause de vos témoignages et de mon témoignage. God will surely do something new. Dieu fera assurément quelque chose de in nouveau life, life, dans votre vie, dans ma vie, family, dans votre famille, in the name of our Lord au Jesus. Nom du Seigneur Jésus. Thank you, Jesus, merci Jésus for a new day. Pour ce nouveau we jour. Commit this day into your hands. Nous remettons ce jour entre tes mains. We commit this platform into your hands. Nous remettons cette plateforme entre Lord, tes mains. Inspire me this morning. Seigneur, inspire-moi ce matin in the name of our Lord Jesus, au nom du even Seigneur as Jésus, I lead this prayer. Même en conduisant cette prière, for I can do nothing without car you. Je ne puis rien faire sans toi. I pray for my brother, my sister, pour mon frère, pour and ma those soeur, that are watching, et ceux qui sont connectés, may the Lord bless you. Que l'Éternel vous bénisse ce matin. May the Lord give you divine direction. Qui vous accorde la direction divine, la sagesse. May he surround you with favor today. Qui vous entoure de faveur aujourd'hui. May he answer your prayers. Qu'il réponde à vos prières. In the name of our Lord au Jesus. Au nom du Seigneur you Jésus. Are blessed. Vous êtes bénis. In Jesus' mighty name. Au nom puissant de Jésus. Hallelujah. Hallelujah. But this morning we are going to be reading scriptures and we are going to pray. Ce matin, nous allons lire des Écritures et nous allons prier. It's good to pray the word of God. C'est bon de prier au travers de la parole de and Dieu pray through. Et de percer dans la prière. Amen. Amen. I want you to turn with me if you have your Bible. Je voudrais que vous ouvrez avec moi si to vous avez Psalm votre Bible dans le psaume 118. And we are going to read verse 19 and 20. Et nous allons lire les versets 19 et 20. And if it's possible, verse 22. Et si c'est possible, verset 22. Alléluia. Alléluia. Praise the Lord. Louange au Seigneur. Open to me the gates of righteousness, and I will go into them, and I will praise the Lord. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai, je louerai l'Éternel. What gives you open door? Ce qui vous accorde les portes ouvertes in life dans la vie is the righteousness of Christ. C'est la justice de Christ. When you are justified, lorsque vous êtes justifié before God, devant Dieu, doors open. Les portes s'ouvrent. So if there is a gate that need to open, alors s'il y a une porte qui doit s'ouvrir in your life, dans votre vie, is the gate of righteousness. C'est la porte de la justice. Lift up your hand, say Father. Et levez la main et dites in Père, the name of our Lord Jesus, dans, Seigneur, dans le nom du Seigneur open Jésus, the gate of righteousness. Ouvre les portes de la justice. May I be justified. Que je sois justifié. May I be positioned. Que je sois positionné. May I be favored. Que je sois favorisé. By God. Par Dieu. Anywhere I go. Partout. In the name of Jesus. Au nom du May Seigneur doors Jésus. Open. Que les portes s'ouvrent. Anywhere I go. Partout où je vais. From today. À partir d'aujourd'hui. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Look at verse 20. Regardez le verset 20. This gate of the Lord into which the righteous shall enter. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entre les justes. By this gate you enter. Par cette porte vous rentrerez. May the righteousness of Jesus open doors for you. Que la justice de Jésus ouvre les portes pour vous. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Au Jesus. Nom de Jésus. Verse 21. Verset 21. I will praise thee for thou have heard me and thou become my salvation. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. The stone, verse 22, the stone which the builders refused is become the headstone of the corner. Verset 22, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Ha, rabba, sakaba. The gate of righteousness when it opens. Les portes de la justice lorsqu'elles s'ouvrent. My God. Mon Dieu. People that are rejected, les gens qui sont rejetés will be celebrated. Seront célébrés. May that gate open for you and I. Que cette porte s'ouvre pour vous et moi. I command the gate of righteousness. Je commande à la porte de la justice to open right now. De s'ouvrir maintenant. In the name of our Lord Jesus. Au nom du Seigneur Jésus. May the gate qualify you. Que la May the righteousness of Jesus qualify you. Que la justice de Jésus vous qualifie. You don't need other qualification. Vous n'avez pas besoin d'autres qualifications. But the righteousness of Jesus. Mais la justice de Jésus. Receive it in the name of the Lord. Recevez-la dans le nom du Seigneur Jésus. Hallelujah. Hallelujah. The gates of righteousness. Les portes de la justice. We open in the name of the Lord. S'ouvriront dans le nom du Seigneur Jésus. In your life, in dans my votre life, vie, dans ma vie. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Isaiah chapter 60. Ésaïe chapitre 60. Verse 11 and 12. Versets 11 et 12. Therefore, thy gates shall be open continually. Oh, I like that one.
Your gate shall be open continually. Vos portes seront ouvertes continuellement. I want you to declare this morning. Je voudrais que vous déclariez ce matin, mes portes will open s'ouvriront continuellement. And nothing can shut it. Et rien ne pourra les fermer. In the name of our Lord Jesus. Au nom du Seigneur Jésus. Therefore, thy gates shall be open continually. They shall not be shut day or night, that men may bring unto thee the forces of Gentiles, and the kings may be brought. Tes portes seront toujours ouvertes, elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leur suite. Every demon placed on your gate. Tout démon placé à vos portes. To stop people from accessing you. D'empêcher les gens d'avoir accès. Every protocol in the realm of the spirit. Tout protocole dans le règne spirituel. That is stopping people to access you. Qui bloque les gens d'avoir accès à vous. That is stopping the good things of heaven to access you. Qui empêche aux bonnes choses célestes. That is stopping the blessing to access you. De venir à vous. It is removed in the name of our Lord Jesus. De venir à vous sont ôtés dans le nom du Seigneur Jésus. May the kings bring their blessings. Que les princes apportent leur bénédiction. Au nom du Seigneur Jésus. Que les hommes apportent leur bénédiction. Look at verse 12. Regardez le verset. For the nation and kingdom that will not serve thee shall perish. Yea, those nations shall be utterly wasted. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Ces nations-là seront exterminées. In the name of our Lord Jesus. Au nom du Seigneur Jésus. Men will serve you. Les hommes vous serviront. In the name of Jesus. Au nom de Jésus, verset 13. The glory of Lebanon shall come unto thee, the fir tree and the pine tree, and the box together, to beautify the place of my sanctuary, and I will make the place of my feet glorious. La gloire du Liban viendra chez toi, le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble, pour orner le lieu de mon sanctuaire, et je glorifierai la place où reposent mes pieds. The Lord will add beauty to your life. L'Éternel ajoutera de la beauté à votre vie, ajoutera de la beauté à ma vie. La gloire de Dieu will be revealed upon you. Sera révélée sur vous. In the name of our Lord Jesus. Verse 14. The sons also of them that afflicted thee shall come binding unto thee, and they that despise thee shall bow themselves down at the soles of thy feet, and they shall call thee the city of the Lord, the Zion of the Holy One of Israel. Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi, et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds, et ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Alléluia. Alléluia. I declare this word over your life. Je déclare ces paroles sur votre vie. In the name of our Lord Jesus. Au nom du Seigneur. Those that afflicted you, they will come binding themselves to you. Bowing to you. Ceux qui vous ont oppressés viendront fléchir devant vous. Verse 15. Whereas thou hast been forsaken and hated, so that no man went through thee, I will make thee an eternal excellence, a joy of many generations. Au lieu où tu étais délaissé et haï, et que personne ne te parcourait, je ferai de toi un ornement pour toujours, un sujet de joie de génération en génération. It will be a subject of rejoicing. Vous serez un sujet de réjouissance. From generation to generation. De génération en génération. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Verse 16. Verset 16. Thou shalt also suck the milk of the Gentiles, and thou shalt suck the breast of kings, and thou shalt know, that the Lord I am thy Savior and thy Redeemer, the Mighty One of Jacob. Tu suceras le lait des nations, tu suceras la mamelle des rois, et tu sauras que je suis l'Éternel, ton Sauveur, ton Rédempteur, le Puissant de Jacob. Hallelujah. Alléluia. My God. Mon Dieu. This is heavy. Ça c'est lourd. May that be your portion. Que cela soit votre portion. In the name of our Lord Jesus. Verse 17. Verset 17. For brass I will bring gold, and for iron I will bring silver, and for wood brass, and for stone iron. I will also make thy officers peace, and thy executors righteousness. Au lieu de l'airain, je ferai venir de l'or. Au lieu du fer, je ferai venir de l'argent. Au lieu du bois, de l'airain. Et au lieu des pierres, du fer. Je ferai régner sur toi la paix et dominer la justice. You'll be restored.
Vous serez restauré. Say with me, say, I'll be restored. Dites avec moi, je serai restauré. Nothing shall be left. Rien ne sera laissé. Je serai restauré. Au nom du Seigneur Jésus. Verse 18. Violence shall no more be heard in thy land, wasting or destruction within thy borders, but thou shalt call thy walls salvation and thy gate praise. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. Hallelujah. Alléluia. The gates, when the gates open, a lot of things happen. Lorsque les portes s'ouvrent, plusieurs choses se produisent. May the gate of righteousness open for you and I. Que les portes de la justice s'ouvrent pour vous et moi. In Revelation chapter 3 verse 8. Dans Apocalypse chapitre 3 verset 8. The Bible says, I have given you open doors. La Bible dit que je vous ai donné des portes ouvertes que personne ne peut fermer. Amen. Amen. The open doors that no man can shut. Des portes ouvertes que personne ne peut fermer. That's your portion this morning. Ça c'est votre portion ce matin. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. The blessing that is coming to you. Les bénédictions qui viennent à vous. It's a wholesale blessing. C'est une bénédiction en gros. Amen. Amen. You will enjoy this blessing for 30 years. Vous allez vous réjouir de cette bénédiction pendant 30 ans. Je le décrète dans le nom you de Jésus. You enjoy the blessing that is coming for 30 years. Vous allez vous réjouir des bénédictions qui viendront pendant 30 ans. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Hallelujah. Alléluia. Let us begin to round up in this morning section of this prayer. Nous allons commencer à clore cette section de prière matinale. In Isaiah 45. En Ésaïe 45. God Himself said. Dieu lui-même a dit, I will go before you. J'irai devant vous. I will remove the crooked places. Et j'enlèverai I will les chemins break the gates of brass. Je briserai. I will cut them asunder. Je les briserai. I will les cut them asunder. Et de fer. In the name of the Lord Au nom Jesus. Du Seigneur and Jésus. I will show you the riches. Et je vous montrerai les richesses. And treasures in the hidden places. Et les trésors dans les lieux cachés. That will be your portion. Ça ce sera votre portion. May the Lord go before you. Que l'Éternel aille devant May the Lord go before que you. L'Éternel aille de This morning, vous ce matin, remove every barrier. Qu'il enlève remove les barrières, les obstacles. Remove every situation qu'il enlève that does not glorify God. Qui ne glorifie every pas limitation, Dieu, toute limitation in your life, dans votre vie, in your finance, dans votre in your marriage, finance, dans votre mariage, in your health, dans votre santé. Let it be removed. Que cela soit ôté. May the righteousness of Jesus speak for you. Que la justice de Jésus parle pour vous. Wherever you go. Où que vous alliez. That person that have case in the court. Cette personne qui a un cas à la cour de justice. The righteousness of Jesus will speak for you. La justice de Jésus parlera pour vous. In the name of the Lord. Au nom du Seigneur Jésus. The Lord will defend you. L'Éternel vous défendra. He will give you victory. Il vous donnera la victoire. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. He will be your voice. Il sera votre voix. He will be your God. Il sera votre Dieu. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. I see you winning. In that case. Je vous vois gagner ce cas. In the name of our Lord Au Jesus. Nom du Seigneur Because Jésus. Because your advocate is Jesus Parce himself. Que votre avocat est Jésus lui-même. He can never lose. Il ne peut jamais perdre. And you will never lose. Et il ne perdra jamais. The Lord is your justice. L'Éternel est votre justice. I rejoice with you. Je me réjouis avec vous. Thank you. Merci. I rejoice for your open doors. Je me réjouis de vos portes ouvertes. I rejoice because the righteousness of Jesus is speaking for you. Je me réjouis parce que la justice de Jésus parle pour hallelujah. Vous. Wow, hallelujah. To him be the glory. À lui soit la gloire. Praise the Lord. Louange au Seigneur. Have a blessed day. Ayez un jour béni. See you on the same platform, the same time tomorrow. Nous nous voyons demain à la même heure sur la même. Invite your friends. Invitez vos amis. So that they will enjoy and benefit from what you are benefiting. Afin qu'ils puissent se réjouir et bénéficier de ce dont vous bénéficiez. God bless you. Dieu vous bénisse. Have a blessed day. Ayez un jour béni. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen.